Réplique du 5 mai 1992. Réplique d'un drame, ou plutôt de la joie qui a précédé le drame. La réalisatrice de ce court-métrage, Corinne Mattei, a choisi de ne filmer que l'avant. Que la vie. Filmant cette journée qui était vraiment une journée de fête, d'innocence avec cette jeunesse. Pour certains, c'était la première fois qu'ils venaient au match. Je crois que le spectateur, il sera en immersion totale avec cette vie qui bouillonnait. Et d'un coup, tout s'arrête. Donc voilà pourquoi j'ai voulu filmer l'avant. Et je crois que du coup, l'après est encore plus fort. Dans ce film, Romain, 8 ans, rêve d'assister au match. Mais sa maman a un mauvais pressentiment. Elle craint les débordements des supporters et la structure fragile de la tribune. Dans la vraie vie, Romain s'appelle Marc-André San, il est en CM2 et n'a jamais fait de théâtre. J'ai beaucoup révisé le texte, il n'y en a pas beaucoup, mais au début je ne voulais pas trop réviser. Je me suis dit je ne suis pas à la hauteur, mais au final je me suis dit c'est pour tous ces gens, toutes ces victimes et tout que je fais ce film et du coup j'ai révisé. Ce 5 mai 1992, lorsque la tribune nord s'effondre, des milliers de supporters sont précipités dans le vide. 19 perdent la vie, 2500 sont blessés. 30 ans plus tard, dans le même stade, l'ambiance est pour le moins particulière. Pour les comédiens, ce n'est pas un rôle comme les autres. La mémoire et l'émotion imprègnent leur jeu. Une responsabilité en plus quand même pour les gens qui ont été touchés par cette tragédie. Après une difficulté, non. Au contraire, on se sert de ça pour se charger, pour pouvoir interpréter les personnages de la manière la plus juste possible. Le costumier du film a pu profiter de la collection de 650 maillots du Sporting prêtés par un collectionneur. Les figurants, eux aussi, ont répondu présent. Ici, même chez les jeunes, tout le monde a été touché de près ou de loin par ce drame. Mon père a personnellement été impacté parce qu'à cette époque-là, il était pompier volontaire. Donc forcément, en écoutant ces histoires, ça me faisait chaud au cœur. Et puis, il me semblait pour moi important, et je pense pour l'ensemble de mes collègues derrière moi, de venir se montrer présent. Il y a encore de la place là, montez. Parce que la mémoire s'entretient, ce court-métrage sera diffusé le 5 mai prochain pour le 30e anniversaire de la catastrophe de Fourgane.